Mourir, regarde, c'est bah, Maurice, c'est Maurice qui aspire. Il est où, Samy? C'est lui qui prend les... On voit les... Faut la sauver. Ah, ouf. Et heureusement, elle est là. Heureusement qu'elle n'est pas tombée là-dedans. Elle n'est pas partie dans le réservoir de poussière. Ouais. Non. Oh, regarde! Heureusement que tu peux vraiment faire ce qu'il y a, il peut. C'est pas très compliqué. Le jeu du morceau? Tu ranges toujours toutes les bêtises. Pas eu le temps de vloguer parce que j'ai tourné une autre vidéo que vous verrez très bientôt, une vidéo très spéciale que je vous poste, je sais pas encore, ce sera le 26 ou 27 en tout cas. Donc du coup ce matin c'était un peu la course tout le temps de faire cette vidéo, le montage, etc. Et là on va rejoindre Gabino à son école pour une fête de Noël, une célébration. Donc là il va d'abord chanter à l'église et puis ensuite, ouah le monde. Et ensuite il y a un marché de Noël dans sa cour d'école. Voilà, donc ça va être trop chou. Le gamin il me dit qu'il ce midi, il dit oh, je suis stressée, j'ai peur. C'est pas vrai. Alors voilà, ils ont fait la même bêtise, mais encore avec lui. Il a été chercher ton... Qu'est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qu'il a été chercher? Oh, mon vélo! Ton vélo? Ouais. Et Maurice, il a qu'à se mettre d'un panier. Ah bah c'est pas grave parce qu'il y en a un. Oh, c'est ça comme lui. Il y en a partout. Moi ça dépend tout. Il a cassé le casse-manette, tu vois. Samy va ranger avec toi. C'est ça qui est nul. Pourquoi? C'est ça qui est nul. Qu'est-ce qui est nul? Ça, ils ont fait tomber tout. Ah, le panneau. Non, ouais, c'est nul. Mais c'est le casse-manette, casse-manette. Il n'est pas cassé, ça va. Oh. Si, il a cassé sa tête. Ouais. Il a cassé sa tête. Ouais. C'est bien, tu ranges tout. Bah, pas tout. Hein. Des trucs. Le vélo, je vais pas le ranger. Ah, non. Regarde, Samy va t'aider. Samy, il joue au morpion. Il joue au... Hello! Bon, je vous reprends ce 23 décembre. Donc, la veille du réveillon. Tout le monde fait les magasins de cadeaux de Noël. Et nous, on fait le magasin de carrelage. On va chercher, enfin on va chercher, on commence à regarder un petit peu pour choisir notre carrelage pour la future maison. Alors, tu veux du carrelage comment toi, Gabin? Comme ça. Bon, à l'idéal, on aimerait des gros carrés. Avec un effet, peut-être un effet un peu béton ou autre. Dans le beige, j'aimerais bien. Au niveau des dimensions, c'est vrai que j'aimerais bien des... J'aurais aimé les plus gros carreaux possibles, mais on nous a expliqué que question de garantie, etc. Il y avait une limite, c'était 60-60, c'est ça hein, au niveau des garanties, c'est ce qu'il nous a expliqué. Pourquoi on peut pas prendre trop dans les détails, j'en sais rien. C'est par rapport au DTU, la garantie des Synalf. Voilà, bon. C'est 60-60 en tout cas. Faut pas excéder 60-60. Si on peut, mais s'il arrive quelque chose, ce sera pas pris en charge, entre guillemets. Voilà. Alors là, par exemple, j'adore cet effet-là. Ça, je trouve ça canon. Je pense que c'est ce que j'aimerais, mais pas dans ce format-là. Vraiment, nous, ce serait plus format carré. Alors ici on est dans le carrelage imitation parquet pour l'étage. C'est ce que j'aurais aimé, mais Greg n'est pas du tout d'accord. C'est vrai que c'est compliqué d'être d'accord tous les deux. On n'a pas trop les mêmes goûts. Donc des fois on fait des compromis. Bon bah tu choisis ça, je choisis ça. Mais là non, il veut pas du tout de carrelage imitation parquet. Donc du coup je sais pas du tout, l'étage j'ai aucune idée de quel carrelage mettre à l'étage parce qu'il veut pas de parquet du tout, donc même imitation parquet, même ça je trouve ça magnifique dans une maison, c'est canon. Mais du coup j'ai aucune idée pour l'instant de ce qu'on va pouvoir mettre comme carrelage pour l'étage, pour les chambres notamment. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me dire. Alors Gabin, t'as trouvé un carrelage? Comment tu fais? Fais voir. Et tu ranges? Comment tu ranges? Voir comment tu fais. Comment je t'ai fait voir. Voilà, Gabin va travailler dans le carrelage. Très bien. Merci monsieur. Merci, vous nous faites voir un autre carrelage. Oh, trop foncé celui-là monsieur. De l'autre sens. Trop foncé. L'autre sens. Bah non, mais ça. Non, là. Ah oui, si. Attention tes doigts. Hein. Ah, il est beau. Merci, monsieur. On achète, on achète. Bon, là, on vient d'avoir une idée. J'aime bien aussi l'effet chevron. Donc, je parle pour les chambres. Je trouve que c'est vraiment pas mal cet effet. Alors du coup il y en a plusieurs maintenant, mais pas trop mal. Au moins on retrouve quand même l'effet bois que j'avais envie de mettre dans les chambres. Et Greg commence à changer d'avis finalement en regardant un petit peu tout le choix qu'il y a. Alors Greg vient de nous trouver imitation parquet mais blanc. Du coup gros dilemme. Il est plus beau que ça. Ils se ressemblent beaucoup, hein. Qu'est-ce qui change en fait? Les nervures. C'est plus prononcé là, et plus fin là. Les blancs sont blancs. Ouais, si on s'imagine qu'on a les murs blancs. On va regarder encore un petit peu sur Pinterest, voir si on voit des inspirations de chambres avec carrelage blanc.